Bonjour à toutes et à tous, ici Dean. Nous nous retrouvons pour la présentation de ce petit logiciel sous Excel qui va nous permettre d'apprendre, réviser et nous tester sur les verbes irréguliers anglais. J'ai fait ce logiciel pour mon fils pour une approche plus attrayante des verbes irréguliers. Vous trouverez le lien de téléchargement du fichier dans la description et à la fin de la vidéo. Petite précision. Toutes les feuilles sont protégées pour éviter les suppressions de formules. Nous voilà sur la page d'accueil qui donne une vue générale de l'évolution des résultats aux deux tests proposés. Un test à partir du français, l'autre à partir de la base verbale. De la page d'accueil, nous pouvons accéder soit aux révisions, soit aux deux tests proposés, français, base verbale. Allons dans un premier temps sur les révisions. Ici, nous avons la liste des verbes irréguliers. La traduction, la base verbale, le prétérit, le participe passé. Une colonne série qui va nous permettre d'apprendre à notre rythme. Généralement, il est demandé d'apprendre les verbes par série de 10. Nous allons donc renseigner la série 1 pour 10 verbes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 verbes suivants seront la série numéro 2. Vous pouvez voir les colonnes qui suivent se renseigner automatiquement. Comme nous n'avons pas encore fait de test, tous les résultats sont faux, et donc les verbes à revoir. Nous reviendrons sur ces colonnes après le test. Nous avons donc nos 10 premiers verbes de sélectionner. Si nous ne voulons réviser que ces verbes, il nous suffit de cliquer sur la petite flèche de la colonne série et de ne laisser cocher que la série 1. Pour reprendre la liste complète, on recoche, sélectionnez tout et tout se réaffiche. Quand un filtre est en cours sur la colonne, on va y arriver, c'est rien. Vous voyez, la petite flèche se transforme en entonnoir, ce qui nous permet de voir s'il y a des filtres en cours. Deux boutons sont à notre disposition, un pour aller en bas de page et un pour aller en haut de page rapidement. Passons maintenant au test à partir du français. Dans la première colonne, nous avons le verbe en français. La deuxième colonne reprend le numéro de série que nous venons de renseigner. Nous allons donc sélectionner la série qui nous intéresse, la série numéro 1. Il ne nous reste plus qu'à compléter les colonnes base verbale, prétérit, participe passé. Alors, je ne suis pas une pro des verbes en anglais. Donc, acheter, ça doit être buy. Aller, ça doit être go. Donc, majuscule, minuscule. Avoir, to have. On va dire add. Add, je ne sais plus. Et les autres, je ne sais pas. Une fois que nous avons renseigné les verbes, nous annulons le filtre, hop, et nous allons reporter les résultats qui s'affichent ici dans la colonne des résultats. Donc on va dire le 13 janvier. Les résultats, donc on en a 5 bons, il y a un point par bonne réponse. Donc là, 5 sur un total de 30. Et il nous calcule la note sur 20. J'ai des progrès à faire. Le graphique, ici, va se mettre à jour automatiquement. Si je refais un test le 14 janvier, si j'ai 10 bonnes réponses sur 30, voilà, et on voit l'évolution.
Une fois que le test est fait, nous repassons sur la base des verbes irréguliers et nous voyons les colonnes qui se sont renseignées. Donc, comme nous avons fait le test à partir du français, on va aller sélectionner juste les verbes qui sont à revoir. À partir du moment où il y a une erreur sur un verbe, il est à revoir. Du coup, il ne nous affiche plus que les verbes que nous devons réviser. Ce sera le même principe pour les résultats à partir de la base verbale. On partira de la base verbale, on renseignera la traduction, le prétérit, le participe passé. Attention aux espaces et aux fautes de frappe. N'oubliez pas d'enlever les filtres entre chaque test. On vérifie qu'il n'y a pas d'entonnoir. Voilà. Quand on attaquera la série 2, on repassera sur le test en français. Ici, on lui dira qu'on ne veut être interrogé que sur la série 1 ou la série 2. Et la série 2, pardon. Ou uniquement sur la série 2. Et avant de mettre les résultats, bien sûr, avant chaque test, on efface ce qui a déjà été saisi. Voilà. Nous voilà équipés pour devenir incollables sur les verbes irréguliers. Si vous avez des questions, des observations, vous pouvez me contacter sur la page Facebook de Trucadine ou directement sur le site Trucadine avec le bouton Contact. Bon test et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles astuces sur les Trucadine.